J'ai eu de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la SENCO face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêque et évêque membre du comité permanent de la SENCO, avons été peinés de lire la lettre de Son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisse, grotte, mariale, hôtel, sanctuaire, etc. Actes allant jusqu'à désacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDFS, M. Augustin Kabuya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence le cardinal archevêque de Kinshasa et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques